La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenue à la sexualité féminine, un programme dirigé par les psychanalystes de l'école de poésie psychanalyste Grupo Cero, Elena Trujillo et Clémence Lonis. Muy bien, bueno, muy buenas. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Ça va bien? Tu vas bien? Oui. Donc, on va faire un petit peu du bilingue hein, aujourd'hui. Bon, moi, je voulais reprendre un petit peu l'idée qu'on avait vue la fois dernière sur la nouveauté que proposait la psychanalyse. Vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il fallait, pour pouvoir recevoir des idées nouvelles, et ça c'est de façon générale, on va dire que les idées nouvelles que nous propose la psychanalyse, c'est qu'elle vient critiquer l'idéologie. Notre idéologie qui est notre manière de penser et notre manière de vivre. Et on va voir que pour cette modification, il faudrait poursuivre donc la pensée psychanalytique, c'est-à-dire la pensée scientifique, réussir à faire une lecture ou une écoute scientifique. Mais dans quelles conditions on va faire ça? Dans quelles conditions on va accepter d'accepter cette nouveauté? C'est-à-dire que pour accepter cette nouveauté, et il doit y avoir un échange, je dois gagner quelque chose, parce que je ne vais pas faire ça pour rien. Donc, c'est un mécanisme qui a existé chez moi, parce que aujourd'hui, moi je suis passée par, comme tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, par de nombreuses étapes de changement. Nous sommes d'accord, nous sommes passés par des étapes de changement. Donc comment acceptons-nous de changer? Comment acceptons-nous de changer? Parce que ce que Elena venait me dire ce matin, c'est que pour accepter de changer, ben, c'est l'instrument que nous allons utiliser, c'est l'amour. Je suis spécialiste de l'amour. Elle est la spécialiste de l'amour. Donc, ce que la psychanalyse vient nous dire sur l'amour, c'est que l'amour, c'est l'instrument qu'on va utiliser, qu'on peut utiliser, que l'enfant utilise pour se civiliser. C'est-à-dire, pour arriver à un certain degré d'humanisme, l'enfant va le faire par amour. Il est capable d'apprendre à aimer pour se faire aimer. Parce qu'il s'est rendu compte, l'enfant, que s'il n'est pas capable de se faire aimer, il n'y a personne qui va s'occuper de lui. Et qu'il est nécessaire que, comme lui, il se rend bien compte, entre guillemets, qu'il ne peut pas faire les choses tout seul, il doit se faire aimer pour qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de lui. Et qu'il s'occupe de lui jusqu'à un certain âge. Parce que nous savons que l'être humain, c'est l'espèce animale qui a besoin de cette époque de sevrage la plus longue des années. Alors nous savons qu'en plus, il y en a qui, à 30 ans, continuent à être chez papa et maman. Il y en a qui abusent. Mais que de toute façon, Jean-Paul Sartre parlait de l'âge de raison à 7 ans. Bon, enfin, c'est pas de ça dont je veux parler. Sinon, je veux dire que pour pouvoir nous former et nous transformer, nous allons le faire par amour. Qu'ils vivront de l'amour romantique. Ah, effectivement, ce n'est pas un amour romantique. Donc nous pouvons savoir que le premier amour qui met en marche notre mécanisme d'amour, on va dire, ce n'est pas l'amour romantique, ni même les sentiments. C'est-à-dire que les sentiments, c'est une conséquence, c'est quelque chose qui vient après. L'enfant apprend à aimer sa mère, en général c'est elle qui va s'occuper de lui, apprend à aimer sa mère pour qu'elle continue, pour qu'elle aussi elle l'aime. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va se faire aimer pour ne pas perdre l'amour de la mère. C'est ça qui le, pour ça que quand l'enfant pleure parce que la maman elle s'en va, c'est parce qu'il dit, qui est-ce qui va s'occuper de moi? Donc il a besoin de cette sécurité. Et comment petit à petit il va apprendre à aimer et à se faire aimer pour maintenir cet amour. Que les psychanalystes parlent que ces choses, c'est amour. Et la mère et les femmes ne savent pas qu'ils sont amoureux dans ce travail de grandir. Ah, ok. Donc toi, tu dis que
Effectivement, c'est-à-dire que la mère et l'enfant vont vivre ça comme quelque chose, comme si c'était naturel, alors que c'est le résultat d'un travail qu'ils doivent établir pour une relation, pour que l'enfant puisse survivre. Et tu peux dire que l'amour pour les psychanalystes, j'ai pas compris. La définition de l'amour pour la psychanalyse. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est donner ce que je n'ai pas à une personne que je ne connais pas. C'est-à-dire que c'est une production, mais ça c'est une production sociale. C'est-à-dire que, bon, effectivement, c'est la base. Alors on pourrait dire que c'est la base, c'est ce que l'enfant va donner, parce que lui, il donne son amour. Parce que la mère, ce n'est pas cette femme. Cette dame. Femme. Mon fils... ce n'est pas mon fils, c'est un homme, une femme qui, en le futur, travaille à mes vivres et non... qui ne m'appartient pas. Claro. Que mes enfants ne m'appartiennent pas. Que ce soit moi qui suis responsable de former de nouveaux êtres, de participer, disons plutôt, à la formation pour qu'ensuite ils puissent eux aussi avoir une action dans le social. Les psychanalystes. C'est pour ça que ce serait là la définition de l'amour. Donc tu dis, ce serait vraiment donner à quelqu'un que je ne connais pas, c'est-à-dire que même mon fils, qu'est-ce que je connais de mon fils? C'est une personne, bon, je ne connais personne de toute façon, mais disons que même s'il y a un nom et un prénom sur cette personne, l'idée c'est de pouvoir donner quelque chose que je n'ai pas, parce que ce qu'on donne à l'autre, c'est une production. Oui, l'humanisation. L'humanisation, c'est-à-dire que l'humanisation. Je suis un travailleur du processus d'humanisation de notre main. Et c'était la fonction mère. Ok, c'est la fonction mère, c'est-à-dire c'est le travail qui correspond à la mère. Oui. De travailler pour humaniser, passer ou transmettre mon humanité. C'est pour ça que l'importance de l'humanisation des mamans. Parce qu'une maman bien humanisée, oui. Elle va pouvoir transmettre une humanité différente. Que nous devons changer l'image de la mère pour l'image d'un travailleur. Ok. C'est-à-dire transformer, que ce n'est plus une maman qui fait ça par amour, parce qu'elle nous aime beaucoup et que donc elle s'occupe de nous parce qu'elle nous aime beaucoup. Sinon, c'est parce que c'est un travail qu'elle doit réaliser. On dit que les femmes réalisent ce travail depuis plus de 5000 ans d'ailleurs. Nous pouvons les remercier, toutes ces mamans qui pendant 5000 ans ont travaillé pour que l'humanité soit... Et aussi donner son liberté, s'il vous plaît. Bon, ben ça c'est le deuxième travail qu'elle doit faire. Quelques-unes y arrivent. Libérer à toutes les mères et des... Libérer les enfants ou libérer les mamans? Les deux choses. Les deux choses. Les deux choses, oui, libérer les enfants et libérer les mamans, oui. Oui. Que l'amour ne c'est pas une chaîne pour toute la vie, non. Mais ça ne devrait pas être une chaîne, l'amour. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont l'enfant a besoin pour pouvoir grandir, mais que ça ne devrait pas être une chaîne que les parents utilisent pour maintenir les enfants tout proches. Toi, un poème sur l'amour. Pas moi. Ménas a un super poème sur l'amour que nous aimerions vous lire. Donc, c'est une traduction de Claire Deloupi. J'ai aussi pour lire... Tu veux lire le poème aussi? Où est-ce le poème? Le poème, effectivement. Nous avons une revue qui s'appelle La santé, c'est la poésie. La poésie, c'est la santé. C'est une revue où nous traduisons, nous publions les textes de Miguel Oscar Menasa, traduits en français par Claire Deloupi. Et ces textes sont à votre disposition sur Internet. Vous mettez la santé, c'est la poésie, c'est la santé, Ménassa, et vous avez la revue en PDF qui est diffusion gratuite. C'est-à-dire que ces textes peuvent être lus par tout le monde. Et là, nous sommes au numéro 31, je crois, de la revue. Vive la culture! Vive la poésie, oui. Maintenant, il faut grandir. Cela veut dire s'entraîner avec une volonté féconde pour pouvoir, dans quelques années, savoir vivre, aimer,
dans un autre monde. Maintenant, il faut grandir, dévier nos principes, emprisonner nos passions, les rendre supportables. Et si un jour, je sens une pulsation étrange qui, en me libérant, me condamne, je dirai non, mille fois non. Maintenant, il faut grandir, comprendre la valeur de l'argent. L'argent peut, quand il veut, d'un seul coup, annihiler toute vertu, féconder le néant, embellir avec des fleurs le désert et faire de l'homme et de la pierre deux amants parfaits. Maintenant, il faut grandir, se laisser porter par le contrat, connaître à fond nos sentiments pour les abandonner. Ne jamais prendre pour excuse dans le travail un amour, parce que sinon, ils m'enlèveront l'amour et ils ne me donneront pas un sou. Maintenant, il faut grandir. Cela veut dire maintenant il faut se reposer. Je n'ai rien pu trouver nulle part. Ni amour, ni avantage, ni pain, ni solitude. C'est pour cela que je me condamne à écrire un poème. C'est un extrait donc d'un poème de Miguel Oscar Menasa, traduit par Claire de Lepuy, qui s'appelle « Pour que quelque chose naisse, quelque chose doit cesser de vivre » ou « La nouvelle loi d'immigration ». Donc ça c'est le début du texte. Donc je vais reprendre la première partie parce que je la trouve fabuleuse, très simple et très didactique aussi, où il vient dire « Maintenant il faut grandir ». Cela veut dire s'entraîner avec une volonté féconde pour pouvoir dans quelques années savoir vivre, aimer dans un autre monde. C'est intéressant parce qu'en général, nous avons... Moi, ça m'arrive. Je veux dire, je travaille aujourd'hui et je veux les résultats là tout de suite. Il n'y en a pas. Savoir que nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour pouvoir vivre dans le monde de demain. C'est ça, grandir. C'est-à-dire avoir un niveau d'adaptation pour pouvoir, dans le futur, faire face à ce qui va nous venir, à ce qui va venir. C'est-à-dire que mon futur dépend de mon travail d'aujourd'hui. Aussi, notre travail de la sexualité féminine, nous travaillons pour demain. Oui, nous ne savons pas. Pourquoi tu dis, tu as une idée de ce qui va se passer demain, c'est ça? Tu as une idée, tu penses... Et effectivement, nous ne savons pas ce que ce programme sur la sexualité féminine va produire dans le futur. On commence à avoir des petites idées. Mais disons que ça fait déjà plus d'un an que nous maintenons ce programme et que peut-être qu'il va donner ses fruits. C'est ça que tu veux dire, que tu veux exprimer cette... C'est-à-dire que nous sommes le fruit de notre travail. Et pour nous, c'est très important et le travail que nous faisons aujourd'hui et parce que c'est notre vie. Si nous nous faisons ce travail, notre vie sera à notre vie. Effectivement, que nous sommes que... Mais tu ne crois pas qu'aujourd'hui aussi la vie que je vis, c'est le résultat de la vie d'il y a un an de... Je veux dire que tout est conséquence. Donc, tout est conséquence et pas une conséquence immédiate. Oui. C'est-à-dire que c'est le résultat de la persévérance, on va dire. C'est pour ça qu'on dit aussi que triompher, c'est percer, se maintenir dans la fonction, continuer. Menasa dit que triompher est permanecer. Exactement, oui, c'est ce que j'ai essayé de traduire, peut-être pas très bien, mais effectivement, que se maintenir dans nos actions quotidiennes, dans notre travail quotidien, et c'est ce qui va permettre de triompher. C'est le triomphe en lui-même. Aussi, je veux dire que nous avons réussi à comprendre nos actions. Pourquoi comprendre nos actions? Qu'il est intéressant comprendre. Comprendre ce que nous faisons. Oui. Oh, mais attention, ça c'est un petit peu ambigu. Comment ça ne nous intéresse pas de comprendre nos actions? Que nous devons faire les actions, ne pas comprendre. Ne pas comprendre, ok. Les
¿no? Los hechos solo existen después de ser interpretados. Que les faits n'existent qu'après une interprétation, c'est-à-dire que c'est comme quelque chose d'historique, ¿no? Quand il y aura une lecture dans le futur ou avec la lecture psychanalytique dans le divan, où nous allons vraiment pouvoir constituer un fait psychique. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. Vous avez les informations sur notre compte, enfin sur le compte de Elena Trujillo, sur le canal YouTube de Elena Trujillo, avec toutes les informations. Le numéro de téléphone, si vous voulez nous téléphoner, c'est le 0034 626 89 02 34. 0034 626 89 02 34. Et nous continuons la semaine prochaine. Bien sûr. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.